Les mails sont, je dirais, nominatifs, c'est-à-dire qu'on crée un compte en notre nom et les mails ne sont pas transférables gratuitement à son conjoint, à ses amis, ses enfants, etc. Vous pouvez bien entendu échanger vos mails contre des billets d'avion pour un ami ou bien échanger contre une machine à café pour votre maman pour la fête des mères. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, pour transférer les mails, c'est tout à fait possible, on peut le faire. Par contre, il y a un coût associé à ce transfert de mails et le coût est de 2 cents par mail. Maintenant, on a des promotions, donc en ce moment, la promotion est à 50 cents par mille. Mais c'est ça, de façon générale, c'est 2 cents par mille pour transférer.